vers l'infini et au-delà. Yo tout le monde, c'est Wesh92, j'espère que vous allez bien. Play your tu l'aimes pas ou quoi? Pas grave. Yo tout le monde, c'est Mizuka. On est là pour le ANO Rival. Un tout? C'est pas vrai. Oui, c'est quoi tout ça? Bah c'est ce qu'on leur réserve. À qui? Bah aux abonnés. Je rigole. Mais non, mais c'est dégueulasse. Yo, salut tout le monde, c'est Wesh92, comment allez-vous? Moi, écoutez, ça va super bien, je le dis toujours, quand il y a le soleil, ça va super bien. Alors bon, aujourd'hui, je pense que vous le voyez bien, hein, je ne vais pas vous faire de surprise, de toute façon, je suis mauvais en surprise, je suis un boulet, pour tout le monde le sait. Alors bon, on se retrouve donc pour les persos délaissés du multi, et oui, l'image dit directement qui est-ce. C'est notre ami Jugo, alors je l'ai pas pris. L'image, vous allez me dire, c'est quoi cette image là? C'est pas notre Jugo, non, effectivement. Mais je trouve que cette image, ça le met bien en valeur. Ouais. C'est notre Jugo, hein. Notre guerrier de séduction. Faites pas attention au titre, je sais pas où j'étais. J'étais un petit peu à l'ouest. Enfin bref, j'affiche tout de suite le commentaire de la personne que j'ai choisi. Donc c'est Mister Senin. Hein, donc franchement toujours un plaisir de lire tes commentaires, surtout celui-là, donc je vais le lire en même temps que vous voyez. Donc, alors moi je te propose sans hésiter mon petit Jugo. Alors Jugo, ok, petit, je comprends pas. Et c'est quoi ce clin d'œil? Tu fais quoi là? Non, je rigole. Non mais petit, c'est... Il est méchant Jugo quand même. Alors pourquoi? Il est pieds nus. C'est vrai que c'est un point qui m'a fait choisir ce perso. Non, je déconne, mais bon. Pieds nus, il y en a pas beaucoup dans le jeu. Il y en a pas beaucoup. Alors, donc, tu dis qu'il a un éveil instantané. Très bon, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Jutsu. Monstrueux. Une projection qui touche de loin, j'avoue. Cette espèce de bras de Dr. Gadget, là, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il est roux. Et ça, c'est juste badass. Alors par contre, faut m'expliquer, badass, j'ai peut-être pas suivi, je sais pas où tu vas en venir. Mais badass, non. Bah ça me dit rien. ouais. Mais roux, ouais, c'est vrai qu'il est roux. On va pas se foutre la gueule des roux, hein. Sinon on va prendre une rousse de pain. Vous avez vu le jeu de mots, les gars? On est là, hein, fin de pourri, hein. C'est bon, je rigolais, on va se prendre une rousse, une route. C'est bon, une rousse, c'est bon. Bon, c'était une blague, c'est bon, allez, vas-y, on passe au suivant, allez. Il a un style vestimentaire unique en son genre. C'est vrai que le mec qui sort de l'hôpital psychiatrique, ça le fait, quoi. C'est le mec, genre, espèce de t-shirt gris. Déjà, ça n'a pas de couleur, c'est gris. C'est gris, voilà. Bon, enfin, short gris. Et c'est tout. On sait même pas s'il a un slip dedans. On sait pas trop, hein. Enfin bref, on veut pas le savoir, finalement. Alors, comme team... donc tu me proposes celle des psychopathes. Donc je vois exactement où tu veux en venir, hein, toute la team de psychopathes là. Mais en fait je vais tout de suite le dire maintenant que les persos délaissés sont lancés. Donc j'ai trois persos entre guillemets délaissés que j'ai commencé. En fait je vais jouer avec la team persos délaissés. Ce serait un petit peu notre team, la team à nous, voilà. C'est notre team entre nous. Elle sera certainement pas officielle, peut-être une fois, pourquoi pas. C'est possible, hein, parce qu'il y a des persos délaissés qui sont... qui une fois ensemble forment une équipe officielle, mais bon, ça arrivera peut-être plus tard, mais voilà, comme ça vous savez. Alors moi ce que je propose, c'est que comme d'habitude, on se retrouve avec mon adversaire, histoire qu'on perd pas de temps. Voilà, que je vous fasse pas attendre pour rien dans les menus, tout ça. Et puis c'est parti, est-ce que je claque des doigts? Oui, je claque. C'est parti. Alors on se retrouve donc avec Salvolp. Savolp, dans 6,96, comme vous voulez. Alors, statistiques, Deidara, oh là là là, Sasuke et Roshi. 35 victoires et 34 défaites, et il est chaud, il veut m'arracher mes points. Eh ben, mon pote, va falloir passer devant notre petit Jugo. Jugo, allez, c'est parti. Donc, notre petit psychopathe. Moi aussi, je dis petit, t'auras remarqué, Mister Senin, on est deux à dire petit. Oh là là, regardez un petit peu son positionnement. En fait, il est vraiment... Il est taré, ce mec-là. Il est taré. Alors,
style 0. Pour la... Alors, mur vivant, style 0. Ok. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, bon, la team, je vais me dépêcher. On va prendre notre petit... voilà, en équilibré. Et notre petit Shoji. Alors, j'espère qu'il l'a pas pris en défensif. A priori, ce serait offensif. Alors, deux équilibrés, ce serait le top, ça. Franchement, ce serait bien, bien le top. C'est bon, bah, ça fait un offensif. Ça nous fait la petite team perso délaissée. Et lui, bah, délaissé tout court. C'est quoi ce bordel? Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais on va essayer de trouver un lien. On va pas avoir rien dire. Hein. Ils sont déjà tous méchants. C'est déjà un point positif. Oula. Cours, cours, Jugo, cours. Oui, parce qu'il court. Donc c'est un des rares persos comme Guy à nous faire des... Ok, ah bah vous savez quoi? Il veut jouer, on va jouer à saut de mouton. Dis bonjour à Jiraya. Alors les gars, je crois qu'on va essayer de le punir ce mec là. Ouais, en fait, je me suis fait avoir. Voilà, donc Shoji va te calmer un petit peu. Je me suis fait encore avoir. Les gars, je fais n'importe quoi. Je vais vous décevoir sur cette partie, je pense. Là, on va charger parce que sinon... On va enlever. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Faut vous dire que je suis pas encore chaud. Attends, on va l'annuler celui-là. On va se laisser frapper, il n'y a aucun souci pour ça. Lui, il veut perdre du chakra. Moi, ça m'arrange. Dis bonjour, ma petite boule. Ah mince, le bras télescopique de Monsieur Gadget. Allez, c'est parti. Là, on sort la dose. Oui, parce que Jugo, il est abusé, les gars. Alors oui, oui, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Fallait pas chercher Jugo. Il m'a mis une chope. Mon pote, je me lève. Je te fais la technique du psychopathe. Viens ici. Technique du psychopathe. Oh. C'est qui que tu veux chercher? Ouais, ouais, bien sûr. Je vais te montrer, moi, mon pote, je vais te montrer. Vas-y, Shoji, montre-lui. Vas-y, Jiraya. Mais il est... Oh, ce mec-là, hé. Hey. Jiraya, franchement, je crois qu'il y a trop de cheveux devant ses yeux. Écoutez, on va charger avec une triple, histoire d'arriver chez lui. Voilà. Non, non, je compte pas perdre. Jugo est un fou. Je vais te montrer le coup de poing de la mort ici. C'est comme un dynamique, sauf que ça se fait avec les mains. Bon, j'avoue, là j'ai dû vous décevoir un petit peu au début. J'étais pas trop dans mon assiette. Non, parce que j'avais l'idée qu'il y avait une barre de vie qui allait tomber à un moment ou à un autre. Donc les gars, je viens de vous montrer un petit... Allez, ici, une petite mini astuce, c'est rien de... grandiose. Je vous le montrerai pourquoi pas sur un petit bonus. Un petit bonus déjà que je vous réserve une petite surprise. Quelque chose qui m'a bien fait délirer. Donc on va voir ce que ça va donner dans le bonus. Je vous garde la surprise. Possible que je le fasse maintenant. C'est du live, hein, mais j'ai préalablement pensé à un bonus. Et ben, je veux dire, c'est du live. C'est possible que je fasse ce petit bonus là comme ça en partie. Histoire qu'on rigole, pourquoi pas. En tout cas, pour revenir au perso. Et du coup, peut-être roux, peut-être pieds nus, mais les gars, il envoie du lourd, hein. Il envoie du... Ah ouais, il colle des roustins, là, vous pouvez le dire. Hein. Je suis désolé, mais là, il est chaud. En plus, il y a Shoji à sa gauche. Enfin, sa droite plutôt, mais à notre gauche. Jiraya à droite. Ou à sa gauche, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je me reprends. Les gars, c'est pas la team parfaite des persos délaissés, ça. Franchement. Par contre, du coup, je veux dire, doucement, les gars. Quand vous l'utilisez, doucement. Vous avez vu que j'ai pu enlever une barre de vie. Easy, easy les gars, easy. Ce perso il est easy pour ça. Allez bon, Jugo, point négatif.
pieds nus. Roux. Vêtements dégueulasses. Non, je rigole. Point positif. Ah là 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 là. Il arrache une barre de vie, les gars. Sur un coup de joystick, j'ai envie de dire. Donc, perso, qui devrait pas être délaissé, justement. Qui devrait. Le multi devrait être rempli de Jugo. Ça, à la fin, on en aura marre et on dira ouais, Jugo est cheat. Et je vous promets qu'il est pas loin des cheats, les gars. Je vous le promets. C'est abusé. Si vous faites choper pendant qu'il y a l'éveil. Waouh. Bon, je relance. Comme d'hab, les gars, on se retrouve avec mon deuxième adversaire. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié. Allez, donc on se retrouve avec. Waouh. On se retrouve avec A. A et des bredouilles. Alors, statistiques. Naruto, Minato, Kankuro. Ouh, Kankuro, c'est rare. Bah, il est pas mal, le mec. Il est pas mal du tout. Il m'a l'air d'avoir beaucoup d'expérience sur ce jeu. On va voir ce que ça va donner face à Jugo, les gars. Là, j'ai mis un clin d'œil, vous le voyez pas. Mais j'ai mis un petit clin d'œil. Allez, Jugo, notre psychopathe. On garde la team perso DLC, les gars. Je vais peut-être prendre Jiraiya pour changer en une autre tenue. Et Shuji, bah, je pense que je vais le garder. Hop. Et juste au passage, ça me fait énormément plaisir de voir que ce projet vous plaît. Parce que moi, il me plaît. Ça me plaît vraiment de faire des parties avec des persos que personne n'utilise. J'espère relancer des modes, en fait. Relancer un petit peu la mode de certains persos. Et ça me fait extrêmement plaisir quand je lis vos commentaires. Franchement, je les lis tous. Je le dis à chaque fois, mais je les lis vraiment tous. On a encore un fanboy de Kimimaro. Les gars, je vous le dis, demain, je crée une chaîne Kimimaro for Life. J'ai tous les abonnés. Ah ouais, j'ai 30 000 abonnés demain. Hein. je vous assure, j'ai 30 000 abonnés. Et vous venir s'abonner, les gars. C'est pas possible. Alors, c'est parti, on va charger. Aïe, 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 ça fait mal. Par contre, là, j'ai bien joué. Allez, on va faire le combo que vous connaissez, les gars. Oui, parce que ça arrache. Donc le mec, à mon avis, je me demande s'il va rage kick. Franchement, ce serait dommage. Ah ben, il s'est vengé. Rasengan Planet. Oh, le mec, il est en t-shirt. Oh, il a douillé le pauvre Jugo. On va le charger avant qu'il récupère ses permutes. Alors, bon, il est pas du tout... Ouais. Ok. Par contre, fais gaffe, mon pote, parce que je vais charger en éveil. Ça va pas rigoler. Alors, je vais bien prendre mon chakra. J'arrive tout de suite. Allez. Je me suis loupé. C'est normal, ça arrive. Allez, un petit Rasengan. Avec Shoji, vous savez bien. Allez. Ouais, là fallait pas par contre. Le combo complet. Les gars, je vais le punir parce que bon, il a pas été très sympa. Je me prends un Rasengan dans les pieds. Bon, à l'attaque. Une petite roulade d'avant, c'est parti. Je vais te montrer, moi, je vais te montrer. Je lui ai mis. Oh, je l'ai chargé. Rugbyman. Le mec, c'est. Ouais, laissez tomber. Jugo, just amazing. Jugo est fou. Il est fou malade, les gars. Il est fou. J'ai été possédé par Jugo pendant un moment. Vous avez entendu mes cris. J'ai été possédé par Jugo. Regardez, il tremble des mains. Il est fou, ce mec. Ce mec est fou. Rien à dire. Mister Senin, j'aime bien tes persos. J'aime bien. Oh là là, dit super. Je refais une troisième. C'est trop kiffant de jouer avec Jugo, les gars. Vous savez pas que... Quelle facilité, comment expliquer à quel point c'est drôle déjà d'exterminer, hein, de coller des roustes aux spammers. Franchement, ça fait plaisir, ça fait super plaisir, je voulais dire, donc ça fait plaisir. On relance une troisième. je suis chaud, faut le dire, je suis chaud. Et dommage pour ce Naruto, bah il aimait bien les Rasengan Planet, hein, je vais pas lui en vouloir, donc voilà, hein. C'est lui qui voit, de toute façon. Je crois que j'ai dû lui mettre un... Enfin, à mon avis, il a pété une durite sur le premier combo. C'est la barre de vie qui s'effondre, là. Il s'est dit... Non, mais c'est quoi ce bordel ? Rasengan Planet !
Frozen Gun Planet, franchement, ils auraient pu trouver autre chose comme nom, mais bon. Enfin, on n'est pas là pour critiquer Naruto, on est là pour notre Jugo, les gars. Notre Jugo. Allez, 4900 balles, ça fait plaisir. Ouais, on lance une troisième, on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve avec Night Striker 10, 10, comme vous voulez, je m'en fous. Vous faites de l'anglais, du français. Deidara Minato Madara. Ouais. Ouais, j'aime bien, ça va, ça peut aller. Deidara, franchement, j'ai du go, donc j'ai pas trop peur. J'ai pas trop peur. Allez, on va voir ce qu'elle va donner, hein. J'ai hâte de voir ces persos. Notre petit Jugo avec mon petit Jiraiya. Personnellement, bah, je le préfère en tenue Sanin. Ça a plus de style, quoi. Allez, Jugo en offensif, ça est bien, hein. Jugo, quand il descend pour m'aider, il rigole pas, les gars. Alors, moi je dirais Kimimaro. Non, c'est super. Bon, Deidara, quoi, mais bon. Je critique pas Deidara, hein. Tout le monde ne joue pas comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce que ça va de... Ah bah ok, bah lui, il impose son style directement. Y'a pas de soucis, mon pote, y'a pas de soucis. Tu vas faire connaissance à... Bon, il m'énerve. Tu vas voir. Je vais te rentrer, mon pote, mais ça va pas durer, ces petites histoires de peinture, là, je sais pas qui... Avec ton plâtre. Tiens, me prends-t-on un Rasengan. On va bloquer comme ça. Shoji. Allez, tu te prends mon point dans la face, mon pote. Je vais te montrer ton spam qui sert à rien. Ouais. Ouais, bien sûr. Je vais te laisser te transformer. Mais oui, je suis assez fou. Pour croire qu'il est fou, Jugo. J'ai dit, il est fou. Mais vous inquiétez pas. Je vais te montrer. Dragon ou pas dragon. Ce qui fait Jugo, mon pote. Voilà, moi je t'aplatis. Je te prends les pieds, dragon de merde. Mais allez, vas-y, c'est pas du plâtre, c'est du caca blanc que tu me fais là. Franchement, les gars, mais... prenez-le. Vous en avez marre des spammers? J'ai la solution à votre problème. Jugo Tatebayo. Jugo est fait pour vous, les gars. Jugo est fait... Je vous ai dit, je suis possédé. Je parle comme un excité, je suis possédé. Jugo est fait pour vous. Vous en avez marre des Deidara? Jugo est là. Vous en avez marre des... Ce que vous voulez. Je connais pas tous les spammers. Mais il est là. Je vous garantis qu'il est là pour vous servir, les gars. Délaissé pour rien. Pour rien, il devrait pas, je suis désolé. Non, c'est pas possible. Un Jugo délaissé, c'est pas possible. C'est... Ouais, vous voyez bien, hein. Le mec, le pauvre, je crois qu'il l'ai même pas laissé respirer. Il s'était donné à fond avec son caca, je sais pas ce qu'il faisait. Il chie des mains, lui, à mon avis. C'est son truc à lui, à Deidara. Moi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai mon petit Jugo, donc moi, ça me fait super plaisir. Ça fait 3 combats, c'est déjà terminé. J'ai même pas eu l'opportunité de placer un Oogie Cancel, c'est dommage. Je vous ai montré ce petit combo... Mon petit combo favori, une barre de vie, hein. Vous connaissez ce combo dévastateur, il n'y a pas d'autre mot. Moi, ce que je propose, c'est que je vous montre, pourquoi pas, ce qu'il y a de plus drôle, en fait. Il y a moyen de bien se marrer avec des potes, les gars. C'est un espèce de glitch, si vous voulez. Parce que ça sert pas, en fait. Je peux pas appeler ça un glitch parce que ça sert pas. Je vous montre vite fait, mais à la va-vite, parce que je vous ai déjà dit, c'est pas mon job de faire des tutos. Enfin, des tutos spécialement pour un perso, c'est pas mon job. Ça arrivera peut-être, des tutos pour les équipes. Je reprendrai peut-être avec mon petit acolyte le boss, je te place un gros clin d'œil. Voilà, je te place un clin d'œil à la Jugo, poteau. Voilà, donc ça arrivera prochainement, pourquoi pas. On reprendra du service, les gars, comme avant. Et puis, moi, je vous laisse avec le bonus. Enjoy, les gars, parce que ce bonus, il va faire plaisir, je pense. Enfin, un plaisir, façon de parler, quoi. Allez, tout de suite, les gars. Et une astuce. Ah non. C'est un bonus. Ah non, en fait, je crois que c'est les deux. Allez, donc on se retrouve avec notre petit Jugo. Je vais me mettre à l'écran, histoire que vous voyez bien son visage, les gars.
c'est pas rigolo. On le voit pas très bien finalement, faudrait peut-être rapprocher Kimimaro, notre punching ball, hein, notre petit sac de frappe. Vous connaissez un sac de frappe? Attendez, je vais peut-être frapper un peu plus fort, voilà. Notre petit sac de frappe. Bon, je vais vite fait vous montrer 2-3 petits trucs, et notamment ce petit glitch entre guillemets. C'est pas trop un glitch, mais bon, c'est toujours ça de gagner, ça peut vous faire marrer. Ça fera marrer, je pense, beaucoup de personnes. Je vais commencer par le combo dont je vous ai parlé, qui arrache plus ou moins une barre. Donc combo du bas, et ce sera tout le temps sur le combo du bas. Et c'est, voilà, je sais pas comment expliquer. J'ai les dégâts, vous l'avez remarqué, ils sont plutôt dévastateurs. Donc c'est sur le combo du bas, je vais vous montrer. Je vais en fait cancel juste au moment où il faudra faire l'incliné. Je me suis coupé. Ah ben c'est juste au moment où le corps de Kimimaro rebondit comme un ballon, les gars. Ici. Donc si vous faites l'éveil à ce moment là, bah, suffit de faire rond, les gars. Et Jugo il fait le reste pour vous. Je vous montre une dernière fois. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors oui, Jugo. Oui, voilà, ça c'est Jugo, les gars. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. Sinon, je peux pas vous parler de tout du perso, hein. Mizuka vous le fera très bien en temps venu. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ici, juste avant, je me loupe à chaque fois, parce qu'en fait, il faut savoir que Jugo, il cancel à une vitesse de la lumière. Je vais vous montrer. Ah, voilà, il fallait que je fasse un stick. Alors, je vais frapper et je cancel. J'ai appuyé, au moment où j'ai appuyé X pour canceller en fait le combo, il l'a fait. Voilà, je sais pas comment expliquer. Je peux vous faire au deuxième coup, il le fera tout le temps. Au troisième coup, voilà. Il le fait à la seconde. Donc en fait, Jugo, c'est vraiment... c'est du timing 100%. Donc voilà, là. Et vous placez votre oubli, comme ça vous savez. Mais bon, je suis pas là pour vous montrer ça. Maintenant, je vais vous montrer la partie un petit peu plus drôle. La partie bien délirante. Vous allez voir Kimimaro, il va se mettre allongé. Il va se mettre à genoux devant Jugo. Je vous montre. Allez. À genoux, mon pote. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Faudra m'expliquer. En tout cas, je sais pas, attendez, je l'avance au milieu. Je sais pas, il a allongé d'une manière très bizarre, hein. On dirait qu'il fait du Harlem Shake allongé. On sait pas trop ce qu'il fait. Enfin bon, voilà quoi. C'est juste épique. Et en plus, il faut quand même un petit timing, c'est que, comme ça vous le savez, au moment où vous le prenez dans les mains, maintenant, voilà. C'est bizarre, hein. C'est, voilà. J'ai trouvé ça, c'était assez marrant. C'était assez épique, je vous le refais encore une dernière fois. Et je me suis loupé. Là, on part plutôt sur le dévastateur, là, attention. Voilà, il est allongé, c'est magnifique, on l'a vu de profil. Ah ben voilà, je vous ai tout, enfin tout. Je vous ai montré la petite partie bien délirante. Sinon, tout ce qui est astuce, voilà, ça, je laisse ça à Mizuka. C'est pas mon job, les gars. Par contre, moi, je vous ai montré ce que moi, je trouve marrant et plutôt pratique. Et ce qui m'a servi dans le perso délaissé. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, on se quitte sur cette belle image. On voit bien, hein, voilà, ses habits grisâtres avec son short. Voilà, il est pieds nus, il est roux, il a tout pour être un perso délaissé. Enfin, bref. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un pouce bleu, un pouce vert, je sais plus c'était quelle couleur. Un pouce vert, je pense, si vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas à commenter, les gars. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc moi je vous dis, yo! Yo Shinobi, avant que tu partes, je t'invite à aller dans la description. Dedans, il y a beaucoup de liens, c'est magique, ça clignote de partout. Voilà, tu peux cliquer sur ce que tu veux, ce qui t'intéresse. Voilà, il y a aussi Twitter et Facebook, j'allais oublier, réseaux sociaux incroyables. Avec ces deux réseaux sociaux, ça te permet de communiquer avec moi, d'être à l'affût de tout ce que je sors comme vidéo, à ton insu, parce que oui, tu peux pas être au courant de tout, hein. Bah ouais, c'est vrai. Mais sinon, là, tu vois, il y a à l'écran, il y a une vidéo. Qui c'est qui va cliquer sur la vidéo? C'est toi. Qui c'est qui va cliquer sur la vidéo? C'est toi. T'as vu un peu comment je chante bien? Non, mais tout ça pour te dire que bon, voilà quoi, c'est tout bénef, tu vois. C'est tout bénef. Tu cliques, tu savoures. Enjoy!